aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo présentation. J'ai fait un calendrier de l'Avent en forme d'album, de livre, n'importe, avec dedans en fait que des petits goodies ou des petits bons, enfin voilà, des petites choses comme ça, des citations, voilà, des choses pour une scrappeuse amie. Et je vais en faire un autre qui est différent et qui est pas du tout pour une scrappeuse amie. Et je me suis dit que j'allais vous le présenter aujourd'hui. Je sais les petites erreurs que j'ai faites, donc dans le prochain que vous verrez, il n'y aura pas ces petites erreurs. Voilà, donc je voulais quand même vous le montrer. Voilà, le petit nœud, le Merry Noël. Avec le petit ruban. Et quand vous ouvrez, en fait, vous avez plein de petites enveloppes que j'ai, voilà, tamponnées moi-même, fermées, et que j'ai collées. Bon, là, il y a des petites photos. Et en fait, tous les jours, vous ouvrez une petite enveloppe et dedans, il y a une petite surprise jusqu'au 24 décembre. Voilà ce que je me suis, entre guillemets, amusée à faire. C'est des papiers donc de chez Stampin' Up. Le papier, là, souffre un peu. Il faut trouver une solution avant de lui offrir. Mais voilà, je voulais vraiment... Voilà, vous montrer, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc j'ai bien compris que le dos, là, je vais rajouter 2 cm. Vous voyez, c'est ce qui manque, je pense. Parce que l'autre, il y aura peut-être un petit peu moins épais, parce qu'il n'y aura pas de goodies. Mais voilà. Ça, c'est l'erreur que je vois. Et je vais plus coller au niveau du ruban aussi. J'ai bien collé, mais je mettrai la colle encore plus forte. Mais sinon, au niveau de la reliure, on est pas mal. Donc, là, c'est celui que je vais offrir. Donc, je le mettrai en ligne une fois que je lui aurai offert. Et je vais vous faire 3 vidéos sur ce mini-album. Un autre, hein, donc ce ne sera pas les mêmes couleurs. La couverture, la reliure avec les pages et les petites enveloppes. Voilà, je pense que je vais faire 3 vidéos. Je vais voir le temps aussi que ça... Alors le temps à le faire, ça va être très très long. Parce que là, j'ai passé 6 soirées à le faire. Voilà, pour moi, je prends mon temps. Je ne fais jamais rien à la va-vite. J'ai passé 6 soirées à le faire. Après, j'ai aussi imprimé les petits bons. J'ai écrit sur les petits bons. J'ai écrit les petites citations. J'ai cherché mes petits goodies. Je les ai dispatchés, les petites étiquettes. Enfin voilà. C'est pour ça aussi que ça m'a mis 6 soirées, mais une soirée pour la couverture, j'ai fait une soirée pour la reliure, une soirée les papiers, une soirée les enveloppes, et après c'était tout ce qui était goodies, imprimés, les petits bons, écrire, voilà, et tout. Et hier soir en fait j'ai voilà, tout relié ensemble, donc je suis très contente, j'espère que ça va lui faire, voilà, j'espère que ça va lui faire vraiment plaisir. Parce que j'y ai mis beaucoup beaucoup de cœur et c'est une surprise hein, parce qu'on n'a pas du tout prévu de faire quoi que ce soit en calendrier de l'Avent, mais j'avais vraiment envie de lui faire voilà, de lui faire plaisir et puis voilà. Donc voilà pour la minuscule vidéo. Et si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que derrière, alors déjà je lui ai déjà offert, et que derrière vous aurez 3 vidéos pour créer ces petites, ce petit calendrier de l'Avent scrap. Allez, à plus.